définir un peu cette crise en un mot. Mais c'est que aujourd'hui, le Congo est sous une occupation ethnique. Dans les FARDC, il y a 545 officiers Tutsi rwandais. Kabila est un Rwandais, ce n'est pas une insulte. C'est sa nationalité, c'est son ethnicité. Où est le problème? Je suis un Moutou, un Mouyansi. Mais je me proclame Mouyansi, je ne me cache pas. Kabila est un Tutsi rwandais. Ok, je suis un Mouyansi de Bagata. Ce n'est pas, une honte. Kabila est un Tutsi rwandais, qu'il rentre au Rwanda. Même chose avec Bisengimana, Charles et tous ces gens-là. Si vous enlevez les 545 officiers Tutsi rwandais des FARDC, il n'y a plus de crise. Voilà la solution. Par l'élection, par les concertations, le dialogue. On en a eu combien de dialogues? J'en ai compté 54 qui n'ont abouti à rien. Donc la MONUSCO et l'ONU et la communauté internationale admettraient pendant une seconde que la crise congolaise est de type ethnique, qu'il n'y a pas de Tutsi rwandais. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, c'est une insulte. Il n'y a pas de Tutsi congolais, bon Dieu. Le Rwanda a été créé au XVIIe siècle avant la création de l'État indépendant du Congo. Et le Rwanda fut une colonie allemande. Les Allemands n'auraient jamais laissé le roi Léopold II s'emparer des populations Tutsi rwandais, n'est-ce pas? Donc, les Tutsis sont au Rwanda, qu'ils rentrent au Rwanda. Qu'il y ait des Tutsis de nationalité congolaise, oui. Mais des Tutsis Tutsi congolais, il n'y en a pas parce que les Tutsis n'ont pas de terre au Congo. Il n'y a pas de terre appartenant aux Tutsis sur le territoire congolais. De même qu'il y a des Congolais qui habitent en Belgique, il y a des Balouba, des Bayansi, des Batetela qui vivent en Belgique, mais il n'y a pas de Batetela belge, il n'y a pas de Balouba belge, parce que nous n'avons pas de terre ici, nous n'avons que la nationalité. Qu'il y ait des Tutsis qui ont acquis la nationalité congolaise, d'accord, mais ils n'ont pas de terre ancestrale. Nous avons la liste, qui se trouve ici d'ailleurs au musée de Tervuren, de toutes les ethnies bantous qui ont cédé leurs terres au roi Léopold II pour constituer l'État indépendant du Congo. Parce que l'État indépendant du Congo, l'EIC, contrairement aux autres pays africains, a été créé par fusion de terres, par addition de terres, appartenant à une quinzaine de royaumes et d'empires et à quelques centaines de communautés traditionnelles africaines bantoues. Alors que les autres États africains, les autres colonies africaines ont été créées par division. Nous, c'est par fusion, par addition des terres. Et quand vous regardez les gens dont on a additionné les terres, il n'y a pas de terre de Bami Tutsi rwandais. Il n'y en a pas. Et donc, ceux qui prétendent, les gens qui écrivent ici dans les médias, une consoeur journaliste du soir qui parlait de Banyamulenge et de Tutsi congolais. Mais c'est du n'importe quoi. Madame Cross, je ne cite pas de nom, c'est même pas elle, là, d'ailleurs. Il y en a même une qui est beaucoup plus âgée qu'elle, qui raconte n'importe quoi sur... Je vois qui c'est. Oui, bien sûr. Donc, il n'y a pas de Tutsi congolais. De même qu'il n'y a pas de Batetela belge. Donc, la guerre du Congo vient du fait que les Tutsis veulent créer au Congo, au dépens du territoire congolais, un Tutsi land, un foyer national Tutsi, où ils vivraient en population majoritaire, où ils seraient plus exposés à un risque de génocide. Et ce territoire, ils veulent le prendre où? Au Kivu. C'est pour ça que le Kivu n'a pas été impliqué dans la réforme administrative. Toutes les autres provinces ont été découpées, sauf le Kivu. Et puis on nomme qui? On nomme Azarias Rubero, un Tutsi rwandais, comme ministre de la décentralisation. Tiens, tiens, tiens. Mais ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Il y a un plan rampant de balkanisation du Congo et de la création du Tutsiland. Et ce qui s'est passé au Kivu, où on a massacré les chefs coutumiers, c'est ce à quoi on assiste aujourd'hui avec les Kamwina Sampo, c'est le même scénario. Donc la crise congolaise est de type ethnique. Et le reconnaître, ce n'est pas faire preuve de tribalisme, c'est en finir une bonne fois pour toutes avec le mensonge et l'hypocrisie. Qu'on admette qu'il n'y a pas de Tutsi congolais, que les Tutsis du Congo, et notamment ceux de l'armée en particulier, les 545 officiers, rentrent chez eux au Rwanda, et il n'y a plus de crise au Congo. Mais la MONUSCO est au Congo depuis bientôt 18 ans. Contre qui se bat la MONUSCO? Contre qui? 21 000 casques bleus, équipés de toute l'armée, tout l'armement et des moyens de communication. Pas contre le CNDP. Le CNDP s'appelle 500 miliciens Tutsis. Pas contre le M23. Alors contre qui se bat la MONUSCO? Mais écoutez, il y a trop d'hypocrisie. La crise congolaise, vous le savez, c'est la crise la plus longue et la plus sanglante depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc il ne faut pas la traiter par la légère. Il y a eu maintenant près de 10 millions de morts. Quand il y a un attentat ici en Europe, 10, 20, attentats, 20 personnes qui meurent, on fait beaucoup de bruit, c'est normal. Comparaison de paraison. Mais il y a quand même 10 millions de morts au Congo. Regardez ce qui se passe au Kamwina Sampo. Brusquement, ça s'enflamme. Et vous verrez que bientôt, ce sera le Kasaï oriental. Et puis demain, ce sera le Bandundu. Parce qu'on est en train de déstabiliser tout le pays afin de créer les conditions propices à la création du Tutsiland. Il faut dire les choses clairement. Et ce n'est pas une insulte. Ayez le courage de reconnaître qu'il y a trop d'hypocrisie et de tartufferie. C'est un mot que vous avez utilisé en ce qui me concerne, en ce qui concerne le Congo. Mais bien sûr,
Donc, il faut arrêter avec l'hypocrisie. Le Congo est confronté à une crise de type ethnique. Le génocide du Rwanda, n'est-ce pas, de 1994. D'abord, les gens ne savent pas compter. Il y a eu 4 génocides au Rwanda. 4, pas 1. Et donc, c'est le génocide du Rwanda qui a servi de prétexte pour l'invasion du Congo par l'AFDL. Et l'AFDL ne fut pas une rébellion congolaise. Ce fut une milice armée, toutes ces rwandaises. Maintenant, on le voit, n'est-ce pas? Et Kabila, c'est quoi? Mais Kabila est un immigré clandestin, devenu président de la République. C'est la première fois, je l'ai dit, dans le système solaire, où on voit un immigré clandestin arriver dans un pays sans passeport, sans visa, sans titre de transport. Il ne parle aucune des langues de chez nous et qui, 3 ans et demi plus tard, devient président de la République. Je connais ici en Europe et particulièrement en Belgique des Congolais qui vivent ici depuis 10 ans et qui n'ont même pas une carte de séjour. Et au Congo, depuis que Kabila est là, ça fait maintenant plus de 15 ans, les Congolais n'ont même pas de carte d'identité. Ça signifie quoi? Mais c'est une monstruosité, ça signifie que l'État congolais ne reconnaît pas ses citoyens. Donc on n'a plus aucun droit au Congo. Si vous avez une maison, on peut vous la confisquer, puisque vous n'avez pas de carte d'identité, l'État ne vous reconnaît pas, vous n'avez pas de carte d'identité. Comment expliquer qu'on fasse des élections? On a parlé d'élections, il fallait commencer par là. Comment expliquer ce grand mystère? Le Congolais n'est protégé par aucune loi, puisque nous n'avons plus de carte d'identité. L'État ne vous reconnaît pas. Donc vous n'avez aucun droit, ni au droit à la vie, ni à la nourriture,